Salut et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, nous, c'est les Tortues Cartour, Nico et Cécile. Voilà, le Père Noël est passé, nous espérons qu'il vous a surtout apporté un beau message d'amour et de tendresse. Une nouvelle année arrive et pour cette nouvelle année, serez-vous comme Nico, un constructeur, en étant un peu aventureux. Et vous, abandonneriez-vous ? Nous avons toujours choisi d'être un peu plus original que de suivre le dogme. Préférons suivre notre passion que l'inertie. Nous suivons nos convictions, mais l'idée est de mettre de côté ses a priori. L'envie d'aller voir ailleurs, d'éprouver le terrain. L'œil pétillant de curiosité de Nico ne l'a jamais quitté. Nico aime se jeter à l'eau et se lancer des missions comme défi. Mais avec lui, c'est toujours un engagement lourd, car il y a toujours beaucoup de travail. Pour Nico, certainement que l'aventure, c'est se mettre sûrement à l'épreuve et ainsi ne pas rester dans sa zone de confort. C'est d'accepter d'avoir une pratique qui ne soit pas tracée devant nous et pour nous. Ça ne rime jamais avec sans effort. Il n'y a pas mieux que les petits bonheurs pour faire de grands bonheurs. Comme vous le savez, la pandémie a mis à rude épreuve la van life, la liberté et ce besoin qu'on a, certains, de s'évader. Mais les bons jours reviendront. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Peu importe, le principal, c'est que chacun prenne du plaisir et se sente bien dans ses choix. Pour atteindre le bonheur, il est parfois nécessaire de prendre des décisions qui peuvent aider à être heureux et fier de sa propre histoire. Nous publions au gré de nos temps et de nos envies. Alors pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous savons que certains d'entre vous partagent nos vidéos et on vous en remercie. Merci également pour vos commentaires. Évidemment, nous les lisons tous. Et vous, oserez-vous, comme nous, en 2021, modifier la configuration de votre camping-car? Nous vous souhaitons une bonne année, avec ou sans bonne résolution, mais avec la santé, l'amour de soi, des siens, des autres, de la bonne humeur et de l'humour. Bonne année 2021! Coucou les amis, c'est la nouvelle année. Une nouvelle vidéo, cette nouvelle année. Je vais vous présenter la l'intérieur de ta casson, hein, la suite. Et je vais vous montrer le gaz, une installation de gaz. Voilà. Plus le reste qui a été fait depuis la dernière vidéo pour ce profil. Nous avons décidé de refaire les meubles de Tracassou. Comme ceux existant dans la cellule, à l'achat, n'étaient pas tous d'origine et avaient pris l'eau. Ils avaient pour la plupart moisi. De plus, comme nous modifions l'agencement intérieur de la cellule, ces meubles ne s'adaptaient pas dans ce nouvel aménagement. Mais ce n'est pas un problème pour Nico. Il décide alors de se lancer sur des meubles sur mesure, plus QLR, plus précis, plus pratiques. L'idée est simple, il voulait des meubles beaucoup personnalisés afin d'obtenir le modèle dont nous rêvions, en dimension, couleur et répondant à ce nouvel aménagement intérieur. Chacun son truc. Oui. Moi, elle est pas contente. Allez. Allez, oui. Ça se fait pas. On va falloir mettre beaucoup de couches. Oui. Je sais. J'ai vu. Que du bonheur. C'est parfait. J'aurai jamais cette peinture. Je n'attendais pas que ça allait boire à ce point. C'est impressionnant. Il y a au moins trois couches à allumer. Putain, la salope, elle en fait exprès. Ah, il y a une goutte. Ha 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 ha.
Quelle emmerdeuse. La vieille. La vieille. Alors. Nico a d'abord dessiné la structure du meuble, qui ne restait plus qu'à équiper avec des étagères, tiroirs, portes. Puis il a confectionné et configuré son meuble et paramétré un plan sur ordinateur, comme il le voulait. Il a ainsi créé l'ensemble complet, aux cotes, adapté à l'espace et correspondant à nos exigences. Certes, nous n'avons pas vraiment gagné de temps en partant de zéro, mais cela nous permet de maintenir un budget inférieur à celui qui serait d'acheter tout fait et soutient notre souci perpétuel de poids. Car à la fin, le tracassou, il va aller sur la balance. Je suis en train de monter mon gaz. Donc, comme Tracassou, hein, comme vous le savez, depuis le nombre de vidéos qu'on fait, Tracassou il a été complètement rasé, donc reconstruit. L'intérieur a été donc remodifié, puisqu'il n'est plus du tout dans le même sens qu'il était. Donc du coup, bah, je suis aussi obligé de refaire mon installation de gaz. Donc voilà. Donc bah, pour ça, j'ai trouvé du tuyau en 8 mm. Pour reprendre sur l'existant qu'il y avait déjà, où les tuyaux étaient aussi en 8 mm, donc c'est du cuivre recuit, ce qui me permet de pouvoir le tordre voilà, comme je veux. Voilà, j'ai un petit appareil, ça, pour pouvoir couper les tuyaux. C'est super pratique. Et puis bah, pour faire tous mes raccords, ça va être des raccords sans soudure. Voilà. Donc c'est des petits raccords comme ça. Voilà. À l'intérieur, il y a une petite olive. Voilà, petite olive. Ça se met sur. Donc on enfile la partie qui se visse, l'olive, voilà. Et ça vient se... pas celui-là, c'est celui-là. Ça vient en fait se sertir directement à l'intérieur. Voilà. Ce qui évite de faire de la soudure, surtout avec le gaz. Et puis bah, à la base, dans les camping-cars, ils sont faits comme ça, avec ce genre de raccord. Donc voilà. On va perdre la petite olive surtout. Je serai embêté. Voilà. Donc pour ceux qui ont du gaz à faire dans leur van, camping-car ou autre aménagement, hein, voilà, ces petits, il existe plein de sortes de petits embouts. Ça, c'est l'embout qui va aller sur le détendeur. Voilà. Donc je suis en train de passer ça. Où j'ai mon arrivée de gaz qui est de ce côté-là. Voilà, j'ai mon tuyau de gaz qui arrive là juste dessous, donc j'ai juste à le remonter ici. Il va passer ici là. Hop. Voilà, j'ai mon détendeur qui est là. Avec des vannes pour couper bah, le frigo ou la plaque. Et puis ça repart derrière vers le frigo et puis bah, la plaque. Voilà. Donc je suis en train de raccorder tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre depuis la dernière fois? Ouais. Ah, rien. C'est terrible. Je fais pas grand-chose. Non, non, ça a mis vachement de temps. J'ai fait ma peinture. J'ai fini mes LED. J'ai posé mes LED. J'ai fait ma peinture blanche, chose qui n'était pas faite depuis la dernière fois, sur les étagères. Voilà, ça c'est fait.
J'ai fini aussi la partie des deux places assises. Voilà. Qui est peinte, qui est... où le LED a été posé aussi. Voilà. Donc j'ai des petites gouttières exprès pour ça, hein, en aluminium. Voilà. Ça me permet de glisser les LED dedans et d'avoir un petit plastique par-dessus pour. Rosen, la porte. Pour avoir une petite finition sympa, voilà. Donc les LED fonctionnent avec une télécommande. Hein. Petite télécommande. Je suis remonté trop vite. Voilà, ça fonctionne avec une petite télécommande, on peut changer les couleurs. Mettre les couleurs qu'on veut. Je crois qu'elle est fâchée. Ouais. Mmh. Et ben là, ça marche plus. Et vous, ça marche. Si ça marche. Voilà, je vais passer au blanc. Tout simplement. On peut diminuer l'intensité. Du LED. Voilà. L'augmenter. Voilà. C'est trop bas. Je crois. Ah bon ? Mince. C'est la première année, début d'année. Ouais, je suis fatigué en début d'année. Résolution 2021, prendre des vacances avec mon camping-car. Ouais, non. Voilà. Donc bah là j'ai pas mes portes aussi. Maintenant j'attends que ça sèche parce qu'en même temps à quelques 1 degré, donc ça sèche pas vite. Hein. C'est pas simple. Moi aussi j'ai fait mes raccords en fait de mon bac d'eau, on n'a pas montré. Moi aussi j'ai travaillé en fait. Hein. Hein, voilà. J'ai fait tout mon raccord de bac d'eau. Mon bac d'eau qui est installé. Voilà, qui est fixé. Avec bon, en fait sous le bac d'eau j'ai deux cales. J'ai deux cales en aluminium avec une sangle qui est fixée sous la cale et qui remonte bah, par-dessus le bac d'eau. Du coup, comme sous le bac d'eau, en fait, il y a des incrustations dedans. Donc, bah, le bac d'eau est bien posé à plat. Et les cales qui sont dessous, en fait, bah, ça évite que le bac se promène. Voilà. Donc, ouais, il n'allait pas puis... se promener bien loin, parce qu'il est enfermé. Ouais, mais en cas d'accident, on ne sait jamais, parce que quand il y a 100 kg dedans, ça peut pousser. Et là, donc, du coup, avec les sangles plus les cales qui sont dessous, il est vraiment bloqué. Quoi. Ah, d'accord. Voilà. Ah, t'as pensé à tout. Ah, bah, attends, mais on fait pas ça n'importe comment. Hein. Ça va avec une barre arrondie. Hein. Non, mais oh. Ou on fait bien ou on fait pas. Hein. C'est un peu long. Bah ouais, c'est un peu long. Ouais, ouais, c'est un peu long. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, faut que les choses se fassent correctement. Voilà. Donc. Et là, je t'avais mis dans ton gaz. Ouais, un petit peu. Mais bon. Alors, on va continuer, hein? Si, ça va bien quand même.
ni trop foncé, ni trop peu. Comprenez bien. Donc ça, c'est lequel? Ça, c'est la plaque. Hop, il me faut un petit raccord. Tac, tac, tac. Avec ma petite olive. Hop. Que je te déconcentre pas le temps. Eh non, bah non, parce que c'est de l'Asie. Ne rigolez pas. Là, il ne faut pas jouer. Faut pas jouer. Faut pas jouer avec le gaz, les enfants. C'est pas être dangereux. Il y en a surtout dans mon atelier, en plus. Un autre. Quand tu dors dedans et que tu as une fuite de gaz, ça peut être sympa aussi. Au moins, tu vois pas le jour. Ouais. Bah là, si tu fais tout péter, le camping-car et l'atelier. Ah bah là, ça sera encore plus ennuyeux. Non, mais on va éviter. Hein. C'est bon. De toute façon, j'ai acheté une bombe. On l'a pas montré. Ça, c'était ma tête. J'ai acheté une bombe pour tester une fois que ça se... Je vais ouvrir le gaz. Voilà, c'est un détecteur de fuite. Ça rassure tout de suite. Ah, ouais. Bah, en même temps, ça rassure tout de suite, il faut, parce que bah, le gaz, c'est traite, quoi. Donc, même si tu as un détecteur dans ton camping-car pour le gaz, en attendant... Oui, tu vas tester, tu n'auras pas le détecteur encore installé. Non, mais j'aurai ça pour voir si j'ai des fuites ou pas. D'accord. Voilà. Mets-le sur les étagères, que le chien... Ouais, c'est vrai. Exactement. Je ne trouvais pas rien. Non, bah non. Et donc la petite bombe, elle fait le butane hein, et le propane. Voilà. D'accord. Sachant que le camping-car est au propane, évidemment, puisque ça gèle pas. Bon, je vais te laisser continuer le travail. Ouais. C'est comme ça, tu crois. Mais c'est travaillé. Tu me déconcentres, la chérie. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ah, ils voient pas. Et alors, s'ils voyaient ça en plus. Attends, c'est lequel qui va où? C'est celui du bas. Celui du bas. Donc ça passe là. Et donc après on est bon pour aller faire passer la visite d'homologation. Le gaz. Bah, je pourrais, après je suis pas obligé. Enfin voilà, on n'a pas l'obligation. Étant donné que le camping-car il est déjà en VSP, donc. Non, même pas, j'ai pas l'obligation. J'ai aucune obligation par rapport au gaz. Au niveau des assurances, c'est mieux d'avoir un certificat. C'est mieux. Mais j'ai aucune obligation. Si je veux pas le faire, je le fais pas. Après, nous, on le fera parce que. Voilà. Mais si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Il faut voir quand même. Non, faut revenir quand même. C'est le principe de tracasser au point de départ. si, non, il faut savoir comment il était fait quand même au point de départ. C'est que Tracassou, à l'intérieur, il y avait donc la plaque, il y avait un petit chauffage gaz que j'ai pas osé remettre parce que c'était pas possible.
Et tout ça a été en fait raccordé avec des tuyaux flexibles, mais les tuyaux qui étaient en caoutchouc là, qui se périment. Donc ce qui n'était plus d'origine du camping-car du tout. Donc évidemment tous les tuyaux périmés, hein, ça allait avec. Et à la base, normalement, il ne doit pas y avoir dans un camping-car de tuyaux rigides. Faut le savoir. Voilà. D'accord. Donc, tout doit être en dur comme là. Voilà. Le seul tuyau rigide qu'il peut y avoir, c'est dans le compartiment de la bouteille de gaz où il y a la lyre dedans. C'est la partie rigide en fait de gaz sur la lyre. Mmh. Voilà, tout le reste est raccordé en tuyau fixe dedans. En cas d'accident, en cas d'arrachement, en cas de. Voilà, faut, comme ça, il n'y a aucun risque de fuite de gaz. Quoi. Enfin bref, donc on l'a racheté, il n'était pas. Il était parti. Mais. Ouais. Mais si, quand même, on le fera. Ah mais si, de toute façon, on le fera parce que par sécurité et de toute façon, comme c'est un camping-car qu'on compte revendre, donc de toute façon, pour les gens qui passent derrière, voilà, il sera homologué au niveau du gaz. Voilà. Même pour nous, c'est plus rassurant, mais pour tout le monde, hein. Je pense que là, non, parce que tu sais pas ce qui peut se passer, hein. Ah, ben non, du tout. Ça, et après, les responsabilités derrière, même si c'est à nous, si c'est derrière, indépendant, quoi, oui. Mais au moins je suis voilà, je suis tranquille avec ça. Je sais que je n'aurai aucun souci avec le gaz. C'était un piège, tu voulais me blesser. Pourquoi ? Regarde, ça aurait été chiant, c'est où le gamin, c'était pareil. Oui, ça. Sous ma botte. Maintenant, tu peux me racheter une paire de bottes parce que c'est fou, elles sont foutues. Elles vont plus être étanches. Comment je vais faire ? Ouais. C'est pas. Bah si, il m'en faut une autre paire du coup.
m'excuse. Mais si, et ça fait un trou dans ma botte. Tu te rends compte? À faire ma hotte. Ah, j'ai encore deux trous à faire dans le jamette là. T'as trouvé ton horloge? Ouais. Ah ouais. D'accord. Je cherche une trouve. Merde. Ça sera facile à démonter pour changer la pile le jour où tu voudras la changer. Changer quoi? La pile de ton horloge. Quoi? Bah, c'est pas la pendule de ma grand-mère qu'il faut remonter ici. D'ailleurs, j'ai trouvé dans l'armoire de ta grand-mère. N'importe quoi. Ici. C'est une comptoise qu'on va mettre. Nous avons parcouru de nombreux catalogues pour s'inspirer des tendances actuelles de camping-car et nous permettre d'aménager tous les recoins de la cellule. Nous voulions tirer profit de tout l'espace afin de gagner un maximum de place et donc d'optimiser l'aménagement. L'objectif est bien sûr d'utiliser le moindre centimètre disponible. Nico désirait mélanger les types de rangements afin que les meubles répondent le plus justement possible à notre usage au quotidien. Ainsi, nous pourrons ranger correctement nos affaires tout en pouvant y accéder simplement avec un accès direct aux clés, aux télécommandes. Le but était aussi d'alléger le visuel et d'y ajouter les décoratifs de nos choix pour accentuer et harmoniser le design intérieur. Cette réalisation est le fruit d'une succession d'étapes. Nico a établi également sur ordinateur sa liste de quincailleries et a aussi défini le nombre de panneaux de bois nécessaires à cet aménagement, qu'il a par la suite débité au format. Nico a ce besoin de perfection, donc il a utilisé divers outils de découpe, scie circulaire, scie sauteuse, scie cloche et défonceuse, pour ses découpes qui lui a pris du temps. Une fois tous ces panneaux de bois débités, cela ressemblait à un vrai Tetris, qu'il a ensuite assemblé avec son souci de vérifier l'écœurage et de chanfreiner les arêtes. Nous avons fait le choix de plusieurs finitions, qui sont le vernis et la peinture, avec l'obsession de réussir à avoir un effet laqué, mais aussi du covering. Nico a inclus à son intérieur des bandes de LED et d'aluminium. Voilà, j'espère que ce partage des travaux de Nico vous aura diverti et aura permis à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure à trouver un plan de déroulement de leurs actions. Notre chaîne a surtout démarré depuis ce confinement. C'est un moyen pour nous de nous rapprocher de notre famille et ainsi de les divertir, les aérer, en leur envoyant de tendres pensées chaleureuses. Et puis cela a fini par toutes et celles et tous ceux qui vivraient mal ou pas cette période. Et on a pris goût à ce partage, à ces belles et merveilleuses rencontres d'humanité. Merci à vous pour votre sympathie. Stressé dans le frisson de la vie, que celle-ci t'apporte tout ce que tu désires. Plein d'amour et de sourires, rempli de rêves et de surprises, avec beaucoup de joie et de rire. Comme nous ne sommes que de passage, courir après l'heure, le temps qui s'écoule, les années qui passent, allons vers cette nouvelle année, tout de même de bonne humeur. Même si c'est le même soleil, ce n'est pas du tout pareil, la vie est comme une étoile qui s'illumine, énergie et bonne humeur pour de superbes découvertes et créer de nouveaux souvenirs fantastiques. S'échapper, déserter, s'évader, chercher le silence et l'errance pour respirer et ensuite se rapprocher. Ainsi trouver le secret de la joie et du bonheur, comme le plus beau reste à faire. Que vos projets se concrétisent. Bonne année maman, bonne année à vous la famille et les amis. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant.
On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.